Mort de rire, ta bouche me fait vomir. Salut les filles et les garçons, comme vous le savez, nous les youtubeurs, on reçoit beaucoup de commentaires très méchants. Alors au début, ça te touche, ça te file même presque la larme qui chute à l'œil. Et puis après, bah, tu acceptes, ça fait partie du game, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Tu finis presque même par en rire. Alors si aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous mes pires commentaires, vos commentaires les plus méchants, c'est absolument pas pour me faire plaindre, mais c'est juste pour qu'on en rigole ensemble. Puis bon, en plus, rire, ça fait travailler les abdos, donc d'une pierre deux coups quoi. Bon allez, c'est parti, on va s'éclater comme des petits fous. Je suis sidérée par cette fille Sissi et Muac qui monte son cul sur toutes les vidéos et se la pète. Non mais tu te prends pour Miss France ou quoi? Mais t'es dégain, dégain. Tu t'es pris pour une meuf belle avec ta grosse mâchoire, tes boutons, ta sale bouche de babouin et apprends à te maquiller parce que là le contouring est raté. Ça y est, je crois que je suis rhabillée pour l'hiver là. Tu t'envoies de l'hormone de croissance ou quoi avec ta mâchoire carrée que tu te tapes? Ma chimelle préférée, y a pas à dire, t'as vraiment une mâchoire de mec. Alors là faut me rassurer les gens parce que je commence vraiment à me poser des questions. Est-ce qu'on dit la même chose à Angelina Jolie et Eva Mendes? Parce que là franchement je comprends pas. C'est comme si je te dis ah t'as un gros nez donc c'est obligé tu prends du clenbutérol. Obligé. Obligé. On est en 2016 et t'as encore un HTC M7 MDR. Non mais allô quoi, on est en 2016, t'as un téléphone qui a plus de 6 mois et en plus c'est pas un iPhone. Next. Next. Bon, un thé détox avec de l'eau passée au micro-ondes, tellement logique, comme le T-Bone in Shape qui essaie de faire passer le message comme quoi la pomme du supermarché est excellente pour la santé, alors c'est le fruit qui contient le plus de pesticides, 32, c'est incohérent. À part ça, tu as un cul d'enfer. Alors là, ce mec est juste bipolaire. Non mais allô quoi, sérieux, du muesli, je le dis à 3 jours à ma nièce que 10 ans, que le muesli c'est super bon, ça te donne de l'air... Oh là là, oh, j'arrive même pas à le lire. Bon allez, je vais stopper la vidéo à 51 secondes, ça la mérite pas plus. Alors, mais moi j'avais envie de stopper le commentaire au bout de la première ligne. Pourquoi dire salut les filles et les garçons et pas simplement salut tout le monde ou damn. Damn les gens, c'est Sissi MUA, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour faire... Non c'est pas ça qui dit merde. Damn les gens, c'est Sissi MUA, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Oh my god. Très bonne vidéo, mais fais attention à ne pas confondre glucides et sucre, s'il te plaît. Jean-Kevin le pingouin. Il a pas voulu être méchant, hein. Son commentaire était presque bienveillant, tu vois. Mais bon, tu sais, après m'être tapé 6 ans, 6 ans de biologie, je crois savoir encore ce que c'est qu'un sucre. Mais merci quand même. Je trouve horrible ton maquillage, mais sinon le fond de la vidéo est intéressant. Alors là, c'est le bipolaire numéro 2, ça. On a le deuxième. Ça roule hors BM, ça paye YouTube. C'était pas la mienne. Bah, c'était pas ma voiture. C'était pas la mienne. Non, c'était pas la mienne. Moi, j'ai pas de BM, moi. Non mais sérieux, tu crois vraiment que si c'était ma BM, je serais sur le siège passager? Moi un jour j'ai une BM, je la prête pas, hein, je vous le dis direct. Alors il y en a un, il est beau là encore. Écoute, pour évoluer, il faut se mettre en difficulté, se surpasser à chaque série, c'est la loi de la musculation. T'es encore débutante dans ce domaine. Après toi, c'est fini, ce que tu fais pas la vraie musculation pure et dure. Comme on dit, après ça doit être du retard au niveau du corps par rapport à du corps. C'est le problème des filles de nos jours, l'exécution de tes mouvements, il faut y réfléchir. Car Thibaut aussi n'est pas coach, mais son exécution n'est pas top top. Mort de rire. Mais pourquoi tout le monde me parle de Thibaut déjà? Je sais pas. On se ressemble tant que ça en fait, je sais pas. Non, si. Quelle vulgarité, ce faux air hautain dans ton ton, c'est vraiment affligeant qu'on en soit arrivé là. Ah malheur. Ah celui-là est bon aussi. Tu pourrais nous présenter tes vidéos habillées s'il te plaît? Parce qu'on a compris que t'avais des abdos, mais bon, des vidéos tout le temps en soutif, ça devient gênant et chiant. Allez les filles et les garçons, aujourd'hui on va faire du développé haltère. C'est parti. Allez, 1, 2, 3. Oh, il fait trop chaud, j'en peux plus. Alors là, on a du lourd là. Donc en fait, je crois que quand il y a de la majuscule, en fait, on est censé crier, c'est ça? Arrête de mettre de la bonne musique, NCS, salope, tu niques mes rêves, putain. Et mettre de la musique que j'apprécie en les coupant, évidemment, avec sa tête de mourir en fond. Donc ça nique mon délire, maintenant, je hais cette musique, merci. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vérité, il y en a, ils me font carrément flipper. Ouh. Elle n'est pas parfaite du tout, elle n'a presque pas de sein. Alors attendez. Faut pas que je foute le bordel par contre dans le micro. Ça va mieux là? Faut continuer? Ça fait presque naturel. Sinon, tu es parfaite. Oh. Sissi et Mua, je pourrais te rendre heureuse en t'épousant. Salut Sissi, franchement, je me lance, j'en ai rien à foutre. Je m'appelle Wassim, j'ai 24 ans, je suis ingénieur en aéronautique. Et plutôt même à 3500 euros par mois, je cherche une fille de ton style, mais j'en trouve pas. Je suis la femme parfaite à mes yeux sportifs, athlétiques. Bon, ça va, heureusement, il y en a qui m'aiment encore. Dieu merci. Mais bon, par contre, toi, sur la prochaine fois, Sissi, tu pourras l'écrire correctement parce que SISI, c'est comme quand t'envoies une lettre de motif et qu'en fait, tu trompes de nom de l'entreprise. Tu sais que t'es grillé, c'est mort. Garde mes chaussettes pour faire la conclusion. On en va. Parce qu'après, il y en a qui sont encore capables de faire des captures d'écran et de faire des trucs chelous avec. Hop, voilà. Bref, les filles et les garçons, il y aura toujours des gens qui vous aimeront, qui apprécieront ce que vous faites et des gens qui en fait n'aimeront pas tout simplement, mais ça fait partie du jeu, surtout lorsqu'on s'expose sur internet. Dans tous les cas, même si dans votre vie privée il y a des gens qui apprécient pas votre mode de vie, qui apprécient pas ce que vous êtes ou ce que vous faites, n'écoutez pas. L'important en fait c'est de vivre sa passion et croyez-moi, quand on arrête d'accorder de l'importance à tous ces commentaires qui sont en plus pas très constructifs, franchement on s'en porte que mieux. J'espère que cette vidéo vous a fait rire. Moi franchement je me suis mis marrée à la faire. Je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt les filles et les garçons. Ciao ciao. Faut vraiment que j'arrête de me gratter parce qu'on va encore me dire mais qu'est-ce qui s'est passé, t'es toute rouge. Alors attendez les gens. Alors, attendez, attendez. Putain, je suis en train de me niquer mon rouge à lèvres quoi. Franchement j'ai un air hein. Sérieux. Je suis en train de me foirer le maquillage, mais vénère là. Oh
Damn les gens, c'est Cici Emua, j'espère que vous allez... Non, il dit j'espère que vous allez bien avant, je crois. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Chimbo in... Non. Il dit damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Chimbo in shape. Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Cici Emua. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minute 8 sur ma chaîne. Je trouve que je lui ressemble grave. Ça va être la moustache, hein, parce que je pense qu'on a rien en commun. Tu mets une moustache, tu ressembles à Chimbo in shape maintenant. Ça y est. Il faut que je fasse un snap. C'est un vrai sauna le truc, mon dieu. Entre les spots, la doudoune, l'écharpe, le bonnet, je suis en train de mourir. Bref, les filles et les garçons, cette pute. Ah, c'est du grand n'importe quoi cette vidéo. C'est du grand n'importe quoi.